Merci de répondre à cette invitation d'Internews. Internews qui nous invite pour ce magazine, cette émission spéciale consacrée à la Journée internationale des droits de l'homme. La République démocratique du Congo est à présent membre du Conseil des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Donc les pays participent aux côtés des 47 autres États comme étant cet État privilégié de clubs ou de gardiens de renforcement et de la promotion et de la protection des valeurs fondamentales des peuples au niveau du monde. Alors, cette émission sera interactive, ça sera un débat. L'enjeu de cette émission, c'est d'évaluer les efforts de résultats du travail mené par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous allons en même temps apprécier ces efforts-là et nous allons dégager quand même des pistes de solutions ou quelques recommandations pour l'amélioration de cette situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il y a le président de la CAJ, Maître Georges Kapiamba, qui est le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Il y a Madame Sandra Yoka, qui est la directrice des droits humains de l'ONG Solidarité pour le Meilleur. Il y a également le représentant du ministre des Droits humains, Monsieur Esaïe Kabuiti. Ce forum, je vous rappelle, est financé par la coopération suisse et avec un appui en supplément d'aide de l'USAID. Alors, sans plus tarder, comme vous pouvez le remarquer sous vos yeux, vous avez déjà les programmes. Je vais donner la parole à Madame Sandra Yoka, qui est la directrice des droits humains de l'ONG Solidarité pour un monde meilleur. Il m'a été demandé de faire un état des lieux sur le droit éducatif de notre pays. Alors, pour ce qui est du droit éducatif, je dirais que ce n'est pas, la situation n'est pas vraiment sombre. Elle est sombre, oui, mais elle n'est pas vraiment sombre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que par rapport au texte, la RDC est munie des textes légaux. Déjà, notre Constitution, à son article 43, garantit le droit à l'éducation. À part la Constitution de notre pays, il y a des textes auxquels notre pays a adhéré. Donc, du côté texte, il n'y a pas de problème. Les problèmes se situent dans la réalisation des engagements du gouvernement. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a eu les OMD qui devraient être évalués en 2015 et l'évaluation a été telle qu'on n'a pas pu atteindre les OMD et surtout en rapport avec le secteur de l'éducation. Cela n'a pas été atteint. Et actuellement, nous sommes aux ODD, aux Objectifs de Développement Durable, qui devraient être évalués en 2030. Et la RDC y a adhéré. Et au moment où je vous parle, au mois d'octobre de l'année passée, la RDC a procédé à la contextualisation des ODD, c'est-à-dire des 17 ODD, parce qu'il y en a 17. Et l'ODD 4... C'est l'ODD qui concerne, au fait, l'éducation. Et la RDC a contextualisé cela. Et à mon avis, je pense que le défi majeur auquel le gouvernement est buté pour réaliser ces ODD-là, c'est le financement, au fait, de l'éducation. Parce que l'éducation mérite d'être financée. Parce que même les ODD veulent que les pays puissent financer l'éducation à 20%, c'est-à-dire on a 100% du budget global de l'État, mais sur le 100%, il faudrait que l'éducation soit financée à 20%. À l'ère actuelle, concernant par exemple le budget de 2018, qui est le projet de loi de finances 2018, qui prévoit que 15% pour l'éducation. Et on s'est dit que les 15% probablement ne vont pas suffire pour financer l'éducation. Parce qu'il faut se dire le 15% de quoi, au fait? Parce que le budget global, déjà, c'est un budget qui est dérisoire. Et on pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de financer en 2018
de bien financer l'éducation, d'autant plus qu'il y a beaucoup de paramètres. Par exemple, si on prend le problème de gratuité, auquel la RDC aussi a souscrit. Donc, on ne peut pas financer la gratuité en 2018. Ça sera vraiment impossible parce que jusqu'à présent, il y a 73%, dont les ménages financent à 73% l'éducation et l'État n'a que 23% de financement de l'éducation. C'est vraiment trop bas pour l'État. Donc, on pense que en 2018, c'est impossible. Et déjà en 2017, l'État n'a financé qu'à 10% l'éducation. C'est vrai qu'il y a des avancées, mais c'est plus dans la faisabilité que c'est la faisabilité qui pose problème. Et à mon avis, je pense que s'il y a un peu de volonté, l'État pourra financer l'éducation. Parce que sachez que si vous voulez tuer un pays, il faut commencer par tuer l'éducation. Si vraiment vous voulez réussir dans un pays, il faut commencer par financer l'éducation. C'est ce que j'avais à dire par rapport à l'éducation et je me remets à vous pour d'éventuelles questions. Merci. Merci, Madame Sandra Yoka. Vous le savez peut-être, la Déclaration universelle des droits de l'homme prône des valeurs fondamentales, des valeurs liées à l'égalité des droits pour tout individu. Et parmi ces droits, il y a les droits d'accès à l'éducation prônés, une éducation qui doit être offerte à tous les enfants gratuitement. Nous allons à présent passer la parole au président de la CAJE, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba, qui va aborder la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, qui va exposer sur l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme ici au Congo-Kinshasa. Je vous remercie, madame. Je voudrais commencer d'abord par vous féliciter, parce qu'il faut se rappeler que c'est grâce à cet instrument juridique international qui est important, qui a été adopté le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, que nous sommes aujourd'hui en train de commémorer. Il m'a été demandé de faire l'état des lieux sur l'application. J'ai beaucoup réfléchi lorsque j'ai lu les thèmes. Je me suis dit, mais il ne sera pas facile de passer en revue toutes les mesures prises pour pouvoir donner effet, c'est-à-dire mettre en application la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais avant d'y arriver, parce que vous avez organisé cette émission aussi comme une émission à caractère pédagogique, qu'il faut aider ceux qui ne les connaissent pas à apprendre, il faut rappeler déjà que la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la différence des autres instruments juridiques internationaux, comme les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, et les pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration n'a pas en soi une même force contraignante que les deux autres au départ, et que jusqu'il n'y a pas très longtemps, les États, la plupart d'États, mettaient en doute d'ailleurs l'application ou l'évocation de cet instrument comme pouvant être utilisé en tant qu'instrument contraignant. Donc, il faut reconnaître que c'est au fil du temps que cet instrument, cette déclaration a pu acquérir aujourd'hui une autorité morale qui permet d'y faire souvent référence et aucun État sérieux, civilisé, ne pense s'en passer. C'est comme ça que même notre pays, à son accession déjà à l'indépendance en 1960, vous allez lire, vous allez constater que dans notre première constitution ou la constitution qui a suivi l'indépendance, il est fait déjà état de cette déclaration dans le préambule, dans l'exposé des motifs où il est fait une déclaration, la RDC, reconnaissait déjà son attachement à cette déclaration comme à tant d'autres instruments juridiques internationaux. Donc c'est par elle que nous avons
finalement eu ou obtenu grâce au travail mené au niveau des Nations Unies, les autres instruments que je venais de vous citer. Parce que lorsque vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle énonce plusieurs droits, mais qui sont repris de manière générale. Vous avez là-dedans des droits civils et politiques qui sont énoncés, des droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi il y a les droits à l'environnement sain. Donc, c'est par après qu'il a été considéré qu'il fallait scinder ces droits. Alors, quel est le niveau de l'application par la République démocratique du Congo? L'application, il faut l'entendre à deux niveaux. Le premier niveau, c'était d'abord la mise en œuvre de la déclaration elle-même à travers certaines mesures législatives, c'est-à-dire des lois que la République démocratique du Congo devait adopter pour essayer d'introduire l'ensemble des droits qui sont proclamés par la déclaration dans les droits congolais, de manière à permettre aux Congolais de pouvoir évoquer ces droits et demander leur application directe. Parce que, jusqu'il n'y a pas très longtemps, notre constitution ne prévoyait pas la possibilité de faire une application directe des instruments juridiques internationaux. Aujourd'hui, nous avons l'article 215 qui dit que tous les instruments, c'est-à-dire les conventions ou les normes internationales qui ont été déjà discutées et ratifiées par la RDC, ont un pouvoir ou une suprématie sur les lois internes. Donc, c'est à travers ces mécanismes que la RDC a pu introduire, notamment dans la Constitution, vous allez voir que beaucoup des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été reprises dans notre Constitution. Je peux vous donner un exemple. Quand vous prenez l'article 12 de notre Constitution, où il est dit que tous les Congolais sont égaux devant en droit et en obligation, vous allez retrouver la même disposition dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 7. Donc il y en a beaucoup, même les droits à la vie, toutes ces dispositions ont été importées de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est déjà un premier niveau de l'application, si je peux utiliser votre propre expression, mais de la mise en œuvre au niveau national. Le deuxième niveau qui est important, qui nous préoccupe, nous, les activistes de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, c'est maintenant la protection concrète de ces droits par le fait de la jouissance et l'exercice effectif de libertés fondamentales. À ce niveau-là, il y a énormément de problèmes. Parce que, comme je l'ai dit, la RDC, sur le plan des textes, madame l'a mentionné, a suffisamment évolué. Nous avons fourni beaucoup d'efforts. Et au niveau maintenant de la mise en œuvre effective, là, il y a un problème parce qu'on ne permet, on ne peut pas se contenter d'avoir des droits proclamés sur les textes lorsque ces droits ne sont pas effectivement exercés ou que les gens ne savent pas en jouir. C'est comme ça que, prenant toujours l'exemple de madame du droit à l'éducation, il y a un élément peut-être qu'elle n'a pas mentionné. Vous savez que notre constitution prévoit que l'enseignement maternel et primaire jusqu'au niveau secondaire devrait être gratuit, cet enseignement. Mais il s'est fait que jusqu'à ce jour, les parents, la plupart des parents d'élèves dans notre pays sont contraints à consentir beaucoup de sacrifices, contribuer même à l'éducation de leurs enfants, ce qui est inacceptable. Donc sur ces points-là, nous pouvons considérer que c'est un des droits qui n'est pas effectivement mis en œuvre ou bien appliqué, parce qu'il est difficile aujourd'hui pour un parent ou un enfant d'aller saisir la justice, obtenir qu'on condamne le gouvernement et qu'on fasse constater que cet enfant ne peut pas aller à l'école parce que l'enseignement n'est pas rendu gratuit. Je voudrais terminer par vous dire qu'il y a plusieurs questions qui nous font douter aujourd'hui de la volonté réelle de ceux qui sont appelés à donner effet, à faciliter la mise en œuvre des droits qui sont proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La première chose, c'est que lorsque vous lisez le préambule de la déclaration, il est dit
que seul un régime de droit peut être capable de permettre aux citoyens de faire ou d'obtenir la jouissance de leurs droits. Ça veut dire que lorsque nous ne sommes pas organisés dans un état de droit, il est difficile aux citoyens de pouvoir jouir de leurs droits. Mais pour qu'on soit dans un régime d'état de droit, il faut d'abord qu'il y ait un gouvernement représentatif. Ça suppose que les élections sont organisées régulièrement, périodiquement, suivant les dates qui sont prévues par les lois de la République, pour que ceux qui se mettent aux commandes de la République soient des personnes qui obtiennent les mandats ou la légitimité des citoyens. Vous n'avez vous-même qu'à regarder la situation de notre pays. C'est depuis 2016 qu'on aurait dû organiser notamment l'élection d'un nouveau président. Mais aujourd'hui, nous sommes presque à une année sans que nous ayons un nouveau président conformément à notre constitution. Il en est de même aussi pour le Parlement, dont les députés et les sénateurs sont déjà au-delà de leur mandat, mais ils continuent toujours à prendre des lois qui sont imposées aux citoyens. Donc ça viole la déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus conduits ou gérés, gouvernés par un gouvernement représentatif. Un gouvernement n'est représentatif que lorsque il résulte du mandat électif. Il y a la question, par exemple, de la justice qui doit être indépendante. Pour que le système soit réellement un système de droit, il faudrait que la justice des cours et tribunaux soit réellement indépendante. Vous n'avez qu'à regarder autour de nous, suivre ce qui se passe dans nos cours et tribunaux pour vous rendre compte qu'il est difficile aujourd'hui, d'ailleurs, aux pauvres, aux personnes qui n'ont pas de moyens, les non-nantis, de pouvoir accéder à la justice. Parce qu'accéder à la justice ne suppose pas tout simplement de se transporter, aller au palais de justice. Mais faudra-t-il aussi que quand les citoyens, ceux qui n'ont pas de moyens, y arrivent, qu'ils soient pris en charge et qu'ils ne soient pas butés à des obstacles tels que paiement des frais qui sont énormes aujourd'hui parce que les agents qui sont engagés pour la justice ne sont pas suffisamment payés. De deux, la justice doit fonctionner avec un budget important. C'est-à-dire les magistrats et les agents judiciaires doivent être suffisamment bien payés de manière à ce qu'ils soient mis à l'abri des tentations de corruption, des trafics d'influence ou qu'ils se soumettent aux injonctions d'autres personnes ou qu'ils commencent à monnayer, par exemple, des décisions. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder comment, dans quelles conditions travaillent les greffiers, les huissiers. Ils ont à peine un petit local comme ça, 5-10, pour se partager. Il faut même des tours pour s'asseoir sur des chaises, même au niveau de la Cour suprême de justice. Les magistrats, même les plus hauts magistrats de la Cour suprême, la même chose. Ils sont mal payés. Donc, c'est un des facteurs qui contribue aujourd'hui à la mauvaise gouvernance de la justice. Un autre élément qui doit nous permettre de nous assurer que la Déclaration universelle des droits de l'homme est appliquée, c'est notamment l'existence d'une presse libre. Ça veut dire que ça doit être une presse qui ne subit pas de temps en temps des coups, des attaques. Ou lorsqu'il y a ce genre d'attaque, mais la justice qui doit être, comme les articles 149, 150 de la Constitution le prévoient, elles doivent avoir au secours la justice. Les personnes qui s'attaquent à la justice, aux journalistes, aux médias, aux reporters, aux caméramens, ceux qui se permettent lors de l'organisation des manifestations d'arracher les matériels des journalistes, ceux qui se permettent d'utiliser des personnes, ce qu'on appelle des détenus irréguliers, pour s'attaquer aux journalistes, assassiner même les journalistes, ces gens, aussi longtemps qu'ils ne seront pas poursuivis, condamnés en justice, cela va faire établir le fait que le gouvernement ou les autorités tolèrent ces faits et encourage les atteintes contre la justice. Enfin, il y a la société civile qui doit être organisée, professionnelle et agissante. Ça suppose que l'État, le gouvernement, tolère la liberté d'association et la liberté d'expression. Parce que si les gens se regroupent dans une association et qu'ils n'ont pas la possibilité de porter sur la place publique les critiques qu'ils ont, qu'ils formulent contre la gestion de leur société, ça veut dire que ces gens sont appelés à disparaître. Donc voilà, au vu de l'analyse que nous avons faite, à ce jour, 70 ans après, nous constatons que
La RDC a fait effectivement un pas sur le plan de la prise, l'élaboration des textes pour la mise en œuvre, mais sur le plan de l'exercice effectif des droits et libertés fondamentaux des citoyens, nous sommes encore très loin de satisfaire aux standards internationaux. Merci. Merci, Maître Georges Kapiamba. Pour lui, l'application au niveau du cadre légal, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été effectués, mais c'est l'absence de volonté politique ou pour mettre en application ce cadre légal qui demeure, et cela préoccupe encore. Et Mme Sandra avait parlé d'environ jusqu'à aujourd'hui 73% des familles, des parents, eux-mêmes, payent de l'argent pour l'éducation de leurs enfants, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme prône l'éducation gratuite. Internews a organisé ce forum d'expression pour la consolidation de la démocratie. Nous allons à présent accorder la parole au responsable du projet Vox Congo, et qui représente légalement Internews, qui va nous présenter très brièvement ce qu'est ce projet, pourquoi ce forum d'expression. Il s'appelle Passion Ligosi. Bonjour à tous. Bonjour. On est quand même parmi les rares pays à avoir en son sein un gouvernement qui a un ministère de droits humains. Et avec tout ce que nous connaissons comme problème, la question liée aux droits de l'homme, c'est une question qui, aujourd'hui, fait partie de questions fondamentales de débat public. Si vous suivez les médias internationaux, vous comprendrez que les rares sujets qui sont adressés ou bien qui concernent les RDC sont essentiellement des questions liées aux droits de l'homme. Donc c'est pour nous important de pouvoir prendre cette question et de pouvoir la placer autour d'une table pour discuter. C'est comme ça qu'Internews organise de temps en temps des échanges comme celui-ci, des forums comme celui-ci, qui mettent en fait en face des journalistes, des acteurs de droits de l'homme, mais aussi les gouvernants, mais aussi les différents acteurs. Comme aujourd'hui, vous avez un représentant du gouvernement, vous avez des représentants de la société civile et évidemment les médias. Pour nous, c'est très important d'avoir cette synergie parce que c'est un travail qui demande, on va dire, l'apport de tout le monde, que ce soit les médias, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit l'État. C'est ensemble que l'on pourra justement faire de notre beau pays un lieu où il fera beau vivre. Donc nous sommes très très heureux d'avoir autour de cette table tous nos invités. Nous souhaitons la bienvenue aux représentants de Son Excellence Madame Moshopekwa Excusé, qui, comme vous le savez, après demain, ça sera la Journée internationale des droits humains, et en train de préparer justement des dossiers à ces sujets. Donc on vous dit un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. On a eu les deux premières présentations et ensuite on va voir maintenant les mots de Son Excellence Madame la Ministre, qui va être présentée par son représentant. Et ensuite nous allons rentrer dans les débats et nous allons prendre comme ça, comme on a pris du temps, moins d'une heure après la présentation, donc on aura la séance de questions-réponses. Vous allez poser des questions, vous aurez l'opportunité de poser directement vos questions à nos trois invités et vous aurez des réponses. Merci à vous. Merci, merci Passion. Avant de continuer, nous avons recueilli des propos au niveau de Kinshasa et dans la province du Haut-Katanga. Nous allons suivre les avis de quelques Congolais sur l'appréciation de la situation des droits de l'homme ici dans notre pays. C'est un micro-trottoir réalisé d'environ 2 minutes. Humaines, sans lesquelles la vie est impossible, telles que le droit d'aller et de venir. Vous avez la possibilité de partir d'un lieu vers un autre. Le droit au logement. Vous ne pouvez pas habiter dans un arbre. Le droit au travail. Pour vivre, il faut travailler. Donc ce sont des droits qui sont liés à la nature, à la vie humaine, sans lesquels, comme je le disais tout à l'heure, la vie est impossible. Donc c'est prévu, mais ce serait mieux que ce soit appliqué. Ils sont prévus, mais c'est au niveau de l'application
que cela pose problème. Donc, il faut encourager les États à mettre en pratique ces droits-là. Et quand c'est pratiqué, ça profite à tout le monde. Le droit de l'homme n'est pas respecté ici en République démocratique du Congo. Vu qu'il n'y a pas, il n'y a pas de liberté d'expression, nous bafouons certains articles de la Constitution. Nous avons plusieurs dispositions dans la Constitution de la République démocratique du Congo qui reprennent pratiquement tous les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça veut dire que, du point de vue des textes, nous avons beaucoup avancé. Maintenant, de manière pratique, qu'est-ce qui se passe? Les droits de l'homme ne sont pas suffisamment vulgarisés et que nous avons comme l'impression que, bon, c'est du leurre. Ce n'est pas un problème de Congolais, c'est un problème d'une certaine classe de gens. Et pour cela, je pense que les ONG ont beaucoup à faire. Merci. Et merci au conseiller de la ministre des Droits humains, monsieur Esaïe Kabuiti, qui nous rejoint dans cette salle pour ce forum d'expression. Et sans plus tarder, nous vous accordons la parole. Mais précédemment, il y a eu maître Georges Kapiamba qui est juste à vos côtés, qui a évoqué l'état, l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En résumé, 70 ans de cette application, c'est un travail à la fois colossal, mais au moins, comme un bon juriste, il a pu résumer le niveau du pays en rapport avec l'exécution de ces différentes lois ou, si vous voulez, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et aussi à vos côtés, vous avez Madame Sandra Yoka, qui a évoqué les droits à l'éducation en République démocratique du Congo, qui n'existe presque pas parce que la gratuité, c'est jusqu'ici dans les rêves, dans l'utopie. 73% de nos familles, des parents, payent eux-mêmes la scolarité de leurs enfants. Vous représentez le gouvernement de la République démocratique du Congo, surtout en matière des droits humains. Qu'en est-il exactement? Quelles sont les mesures? Quels sont les efforts que le gouvernement fournit surtout que le gouvernement a fourni de janvier jusqu'à aujourd'hui en rapport avec les droits de l'homme. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole en ces lieux au nom de Madame Marie-Ange Moshobekwa, ministre des droits humains, qui a la charge de conduire ce prestigieux département depuis bientôt une année. Il a notamment pour attribution, la promotion et la protection des droits humains, les libertés fondamentales et des citoyens, la défense des intérêts de la République démocratique du Congo auprès des instances régionales et internationales des droits de l'homme, ainsi qu'assurer le monitoring du respect des droits de l'homme dans les milieux carcéraux. Vous conviendrez avec moi qu'au regard de ce qui précède, le secteur des droits humains a un caractère transversal qui touche les différentes facettes de la vie nationale. Il y a lieu donc d'affirmer que le ministère des droits humains joue un rôle de premier plan dans le développement intégral de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi l'avènement de son Excellence Madame Marie-Ange Moshobekwa à la tête de ce ministère est une preuve de l'engagement du président de la République à prendre à bras le corps la question des droits de l'homme. C'est ainsi que plusieurs mesures ont été prises dans le seul but de renforcer la lutte contre les violations des droits de l'homme sous toutes ses formes, ainsi répondre positivement aux obligations qu'a l'État congolais face à sa population et ses différents partenaires du secteur. Je vous remercie. Comme vous pouvez constater, c'est juste quelques points ramassés, ci et là. Vous vous rendez compte que le ministère des droits humains fait plus que ça dans ce qui est de ses attributions. Comme j'ai dit, j'en ai déjà eu peut-être à se voir avec le président, le maître Kapiamba, à notre bureau, où on est revenu sur certaines difficultés qui sont du côté du ministère des droits humains. Le ministère des droits humains est un ministère transversal, comme ça a été dit. Et cette transversalité est en même temps un atout et en même temps une difficulté. Mais néanmoins, notre ministère est prêt à assumer ses responsabilités dans les mesures du possible. Je vous remercie.
Merci, conseiller du ministre des Droits humains, Esaïe Kabuiti, qui a évoqué, qui a brossé la situation des droits de l'homme ici en République démocratique du Congo, des évasions des prisonniers, des massacres, des tueries, les efforts menés par les gouvernements congolais pour mettre fin à toutes ces violations des droits de l'homme et ont été également évoquées. Néanmoins, il évoque la complexité du sujet. Nous allons à présent ouvrir les débats. N'hésitez pas à vous présenter. En face de vous, je rappelle, vous êtes en face des journalistes et des acteurs des défenses des droits de l'homme. On peut commencer par... Ok, merci beaucoup. C'est M. Henri Christel Ongenja. Je suis du CODOD, le cas d'espèce. Je suis invité en tant que collectif 24. Ma question, je m'adresse directement au conseiller. La liberté fondamentale pose problème, notamment la liberté d'expression, la liberté d'accès à l'information. Alors, qu'est-ce que il pense par rapport à cette situation? Merci. C'est Madame Grace Ngike de la Référence Plus. Ma question d'abord, ma première question s'adresse à Madame Sandra Yoka. Madame Sandra Yoka, est-ce qu'avant le dépôt du budget à l'Assemblée nationale, n'est-il pas possible de rencontrer le Premier ministre? Parce que quand on discute déjà du budget à l'Assemblée nationale, il y a une partition pour l'enseignement. Quel budget on accorde au niveau de l'enseignement? Merci, c'est Jean-Michel Mvondo. Je suis le secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo. Ma question, la première question s'adresse au représentant du ministre. Vous avez fait une petite intervention, Bila. Êtes-vous satisfait aujourd'hui par rapport aux attributions de votre ministère? J'ai cité la promotion et la protection des droits. Et là, je prends un aspect particulier, les droits de manifestation publique. Merci. Je m'appelle Dolly Ibefo, je suis de la Voix des Sans Voix. Et la loi Tambo Mwamba, c'est une loi qui a, quand vous la lisez, à la fin vous sentez, c'est quelqu'un qui était fâché ou qui a eu une chicotte quelque part et qu'il fallait rédiger. Mais le ministère des Droits humains a pris connaissance de cette loi. Comment le ministère pouvait laisser, surtout que la RDC est membre du Conseil des droits de l'homme? Merci pour la question. Moi, c'est Palmer Kabeya du Fulumbi. Ma question est celle-ci. Maintenant, là, on peut dire que notre pays est un pays des droits ou notre pays a déjà basculé à une dictature? On va accorder à présent la parole à nos panélistes. Merci beaucoup. La première question. Il y a des choses, de bonnes choses qui ont été faites et il y a des choses qui devraient être améliorées. Le droit de l'homme, dans leur ensemble, sont un idéal à atteindre. Et cet idéal à atteindre, on ne l'atteint pas le même jour, mais c'est un effort au quotidien. Et je pense ici que nous devrions mettre plus l'accent du côté de ce qui marche pour encourager ce qu'ils font et aussi sur les choses qui ne marchent pas. Par exemple, ce que vous avez évoqué, il y a effectivement des personnes, notamment qu'on appelle aujourd'hui des journalistes ou des défenseurs des droits de l'homme, qui ont des difficultés dans l'exercice de leur métier. Et ça, les ministères des droits humains, croyez, et avec eux, comme avec vous, dans les mesures du possible, partir de ce qu'il a comme possibilité. Je pense que, parlant de la loi sur les défenseurs des droits de l'homme, qu'est-ce que moi j'en pense, ou qu'est-ce que le ministère en pense parce que je le représente? On a pensé que non. Vu la thématique ou la matière des droits de l'homme, qui est une matière assez compliquée, assez politique, et d'autres acteurs politiques ne comprennent pas le rôle défenseur des droits de l'homme et même du journaliste. Et d'où il faut qu'il y ait une protection particulière. Et cette protection particulière-là, nous sommes d'accord qu'elle soit accompagnée par une loi.
il appartient maintenant aussi aux représentants du peuple de faire leur part du boulot, en leur qualité aussi de défenseurs des droits de l'homme, parce qu'ils le sont. La liberté d'association est garantie, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la loi que vous dites, la loi Tambwe-Mwamba? Donc, lors du Conseil des ministres, Madame a pu donner un certain nombre d'éléments pour améliorer la loi, mais la mouture qui sort, quand le gouvernement présente maintenant ce projet de loi, vous, ministre, même si vous n'avez pas été d'accord, vous êtes obligé de suivre parce qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Mais les démarches sont en train d'être menées avec l'appui de la société civile et les autres organisations qui ont l'habitude de se battre. On peut peut-être arriver à faire avancer certaines dispositions de cette loi qui pourrait ne pas convenir à ce qu'on pense comme étant une régression. Pourquoi on ne vulgarise pas la Constitution? Et donc, l'idée que vous donnez, elle est la bienvenue, on y a déjà pensé, et nous espérons que dans les jours qui viennent, on procédera effectivement à cette... Et même les personnes qui doivent procéder à cette sensibilisation ont déjà été formées, mais le temps politique n'a pas encore permis à ce qu'on fasse cela, mais sinon, c'est prévu. Jean-Michel a posé la question, est-ce satisfait en rapport avec des manifestations publiques? Est-ce que nous sommes satisfaits? Oui, nous sommes satisfaits dans l'ensemble de ce que nous faisons, parce que sinon on resterait à la maison. Mais par rapport à la liberté de manifestation, la liberté de manifestation est une des libertés importantes. Mais comme vous savez, cette liberté, elle n'est pas absolue. Les spécialistes des droits de l'homme, ils savent que les droits peuvent subir des restrictions. Et ces restrictions doivent être prévues par la loi et être concevables dans une société démocratique. Pour l'instant, le gouvernement a appliqué la restriction qui est prévue. Et cette restriction, elle n'est pas éternelle. Et être à un moment donné, on va réouvrir cela. Je reviens à M. Filimbi. Vous demandez si on est encore un État démocratique ou si on est une dictature. Et nous avons dit à certaines radios et à certaines télévisions, il y a des gens qui parlent et qui rentrent chez soi calmement. Et là, vous allez convenir avec moi que ce n'est pas la dictature. Cependant, il y a peut-être un certain nombre de dérapages dans les chefs de certaines personnes, mais cela ne peut pas être englobé à tout l'État congolais. Jusqu'ici, nous sommes un État démocratique, mais un État démocratique qui continue à se rechercher. Voilà. Merci, monsieur le conseiller du ministre des Droits humains, madame Sandra. Je réponds à madame Grasse, qui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que notre ONG ne fait pas des actions pour aller au Parlement en vue de demander l'augmentation du budget. C'est un travail de longue haleine et je pense que ce n'est pas un travail d'une seule ONG. Et déjà, je peux vous dire que nous travaillons en synergie avec le REGED, l'Observatoire de la dépense publique et puis avec la CONEPS, la Coalition nationale de l'éducation pour tous, pour essayer un peu de plaider la cause de l'éducation, d'avoir une éducation de qualité dans notre pays. Donc il faut vraiment militer pour que même le budget de l'État soit un budget vraiment conséquent. Et pour ça, il faut arrêter le coulage de recettes. Donc il faut vraiment militer. Merci. On va passer la parole à Maître Georges. Pour que les droits soient réellement droits, il faut d'abord que les citoyens intériorisent, les connaissent, soit à mesure de les revendiquer et de les défendre. Mais pour atteindre ce degré-là, il faut que les citoyens soient éduqués. Alors, sur le plan de l'effectivité, j'ai mentionné aussi qu'il manque un élément fondamental, c'est la justice. Parce que quand vous prenez la constitution de notre pays, l'article 149 est clair. Le pouvoir judiciaire est le garant de la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est arrêté,
et que vous courez devant la justice, il faut que la justice agisse pour sauver ses citoyens. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation où la justice elle-même est totalement caporalisée. C'est-à-dire, elle est sous tutelle du pouvoir, pour pouvoir exécutif, il faut le dire, il faut qu'on se le dise. Nous avons beaucoup d'exemples. Ce qui fait que les magistrats ne sont pas, n'agissent pas avec indépendance. Ce n'est pas normal. Alors, enfin, je voudrais parler de la question des libertés publiques. Je crois que c'est juste pour contredire les conseillers. Parce que je pense que c'est aussi notre devoir. Quand nous sommes ensemble, nous devons dialoguer pour donner nos idées. Il n'est pas normal qu'avec la constitution que nous avons aujourd'hui, qui a déjà prévu l'article 26, qui dit que la liberté de manifestation est garantie à tous. Et la même disposition ajoute que lorsque la manifestation est organisée, le pouvoir a l'obligation de l'encadrer. Donc, mais ajoute aussi pour dire que les organisateurs ont l'obligation d'informer l'autorité. Donc il y a des obligations pour les uns et les autres. Lorsque les gens informent l'autorité, mais l'autorité a l'obligation de l'encadrer, mais pas recourir aux faux fuyants au motif que nous sommes dans un contexte préélectoral, de ceci, cela, il ne faudrait pas que les gens s'expriment. Non. On ne peut pas dire que nous sommes dans une république démocratique, mais priver aux gens la liberté de s'exprimer. La participation citoyenne aux activités de l'État passe par quoi? C'est par l'expression. Les gens peuvent s'exprimer soit par une manifestation ou un regroupement. Même quand vous prenez les sit-in simples de 10-20 personnes membres de l'UCHA, par exemple, même de 5 personnes, mais on envoie une quarantaine d'éléments de la police pour réprimer. Non, mais ça dépasse tout entendement. Les jeunes qui viennent avec des affiches pour dire tout simplement « Nous sommes contre la décision invalidant les passeports semi-biométriques. » Ils se mettent là, ils font rien. On envoie une quarantaine de policiers. Et on utilise les moyens de l'État. Parce qu'on met du carburant. Mais c'est du gaspillage. On met le gaspillage dans 5-6 véhicules. On utilise les gaz lacrymogènes qu'on achète trop cher contre une dizaine de jeunes du contribuable. Au lieu de prendre cet argent, contribuer à l'amélioration de l'éducation, non, on continue à acheter des gaz lacrymogènes pour seulement réprimer les jeunes. Donc, c'est un problème de gouvernance parce qu'on choisit plus d'investir dans les moyens de répression au lieu d'investir dans le domaine de l'avenir, comme madame l'a dit, la formation des enfants pour demain. Le ministère lui-même, nous savons qu'il n'a pas assez de moyens. Nous qui visitons dans des provinces, Dolly peut le confirmer, nous étions à Bandundu, le chef de division du ministère des droits humains n'a même pas de bureau. Il y a un sérieux problème. Donc le gouvernement n'est même pas capable de prendre en charge ses propres agents. C'est pas normal. Et les citoyens ont le droit de se révolter pour dire pourquoi les choses sont organisées de cette manière. Alors je termine, madame, par dire aussi aux conseillers que non, nous ne sommes pas d'accord de dire que les droits de l'homme doivent être considérés comme un idéal. Par contre, c'est le combat pour les droits de l'homme qui doit être considéré comme un idéal pour nous tous. C'est-à-dire vous vous engagez sans attendre un paiement, mais vous avez une conviction de contribuer à l'émergence d'une valeur qui est noble dans la société. Mais les droits de l'homme en tant que tel doivent être considérés comme une valeur sans laquelle dans la société nous ne pouvons pas vivre. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont considérés par les Congolais comme des parties intégrantes de leur vie de tous les jours. Parce que priver à quelqu'un la liberté, c'est le rendre esclave. Ça veut dire que nous faisons sous une autre forme ce que nous condamnons en Libye. Voilà. C'est ça. Merci à vous d'être venus, d'avoir répondu à cette invitation. 10 décembre de chaque année, l'humanité commémore la Journée internationale des droits de l'homme. Une journée consacrée à la célébration du souvenir de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU du texte et en même temps de la proclamation de cette déclaration universelle. Internews qui a produit cette émission vous remercie.
une émission qui a été financée par la coopération suisse avec un supplément d'aide de l'USAID. Nous espérons vous retrouver très prochainement dans les cadres de nos forums d'expression. Merci de nous avoir suivis.